Le ministre de l'Économie et des Finances encourage les douaniers en poste à Bitou, Saint-Cancé et à la direction régionale des douanes du Centre-Est à garder le cap dans la mobilisation des ressources financières. Alizatou Rosine Koulibaly-Souri a effectué sa première sortie de terrain dans la région Guéguerre autour du barrage de Yitenga. Rien ne va plus entre l'ONEA et les producteurs maraîchers. L'infrastructure hydraulique qui n'arrive pas à satisfaire aux besoins en eau potable et à la culture de contre-saison. Et ce sont les producteurs qui sont priés de mettre fin à leurs activités. Ces derniers font grise mine, évidemment. Et puis la cérémonie des Koundé, c'est ce soir à la salle des banquets de Ouaga 2000, une 16e édition qui ne manque pas d'innovation, mais surtout qui devrait aussi rendre hommage à Papa Wemba qui a rejoint les étoiles dimanche dernier. Nous recevons sur notre plateau Kofi Olomide, très attendu au Koundé à Ouagadougou. Il nous parlera de ce grand retour au Burkina Faso et de cet hommage à Papa Wemba. Voilà, c'est le menu de ce journal. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Et un excellent appétit si vous êtes à table. Voilà, nous ouvrons ce journal donc avec la tournée du ministre de l'Économie et des Finances au Centre-Est. Une première sortie de terrain qui s'inscrit dans la dynamique de mobilisation des recettes nécessaires pour le financement des grands chantiers de développement du Burkina Faso. La ministre Alizatou Rosine Koulibaly-Souri s'est rendue dans les bureaux de douane de Bitou Saint-Cancé ainsi qu'à la direction régionale du Centre-Est avec un message à l'endroit des douaniers exerçant à ces postes maintenir le cap dans leur mission. Ibrahima Sombié, Abdelaziz Yagibou. Aux commandes du navire de la mobilisation des recettes, Alizata Koulibaly-Souri veut arriver à l'heure sur les grands chantiers du développement où elle est attendue avec impatience par les Burkinabés. Sa première escale dans ce voyage à la recherche des ressources, le ministre des Finances a choisi de la marquer dans la région du Centre-Est. Du bureau des douanes de Bitou à celui du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, en passant par la direction régionale des douanes du Centre-Est, le premier responsable du département en charge des finances a tenu à porter aux agents un message d'encouragement et surtout d'invite à mieux faire. Mon succès est dû au succès de toutes les équipes mobilisées, que ce soit au niveau central ou au niveau des régions. C'est pour cela qu'au sein du ministère, j'ai un programme de déplacement au sein des régies financières, mais c'est au sein aussi des autres directions. La région du Centre-Est est la région, au niveau en tout cas des douanes, c'est la région la plus importante en réalité par rapport aux recettes que nous enregistrons. Je pense que c'est un bon message de montrer que pour la première sortie officielle, il fallait effectivement que je vienne ici. Belle occasion pour ces acteurs du terrain au quotidien à la traque des contrebandiers d'égrener un chapelet de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et si malgré les armes qu'on a, on ne peut pas faire face à ces fraudeurs, notamment de moto, vous voyez que c'est quand même décourageant. Donc nous attendons vraiment une action forte du côté de l'État pour nous appuyer dans ce sens, restaurer l'autorité de l'État pour nous permettre vraiment d'être à l'aise et puis travailler. La mobilisation des recettes incombe à la fois aux impôts, au trésor et aux services des douanes. À toutes ces régies de collecte des recettes, le ministre a élargi la rencontre. Des régies qui ont comme principale difficulté le manque de moyens roulants, de personnel, mais aussi de locaux adaptés et sécurisés. Et le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local qui est en campagne d'information auprès des députés sur la décentralisation en cours au Burkina Faso, la rencontre bilan et perspective qu'il organise sur la décentralisation a aussi abordé le rôle de l'Assemblée nationale dans le processus. Amadou Ilboudo et Claudine Dimabio Bikaba nous donnent des précisions. Le processus de la décentralisation en cours au Burkina a connu des acquis indéniables, des acquis qui le rendraient irréversible, de l'avis du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. En effet, ses députés ont réfléchi autour du thème « Bilan et perspective de la décentralisation au Burkina Faso, rôle et place de l'Assemblée nationale ». Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus ici, c'est déjà de faire en sorte que un nouveau référentiel soit adopté, que les parlementaires participent davantage au processus de décentralisation. L'Union européenne, à travers le programme PADIC, programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux, accompagne ce processus et va continuer à l'accompagner. Et
un atelier comme aujourd'hui permet d'identifier plus précisément qui doit faire quoi pour permettre une décentralisation efficace. Doter la décentralisation d'une politique nationale, voilà la principale recommandation issue de cet atelier d'information. Car pour ses participants et les adeptes de la décentralisation, elle est la voie royale pour booster le développement au niveau local, c'est-à-dire à la base. Des bisbilles autour du barrage de Yitenga, destiné au départ à la promotion de la culture de contre-saison, le barrage est devenu source d'approvisionnement en eau potable pour les villes de Kupela et Puitenga par l'ONEA. Les capacités de l'infrastructure hydraulique se trouvant très réduites. Résultat, les producteurs sont interdits de séjour au bord du cours d'eau, ce qui n'est pas de leur goût. Des explications avec Mokhtar Ouédraogo, Moussa Konaté et Pascal Kané. Kamnamba de Yitenga est désabusé. Chaque fois qu'il parcourt son périmètre irrigué à sec, il a du mal à contenir sa colère. En 1985, lorsqu'on construisait le barrage, on lui avait promis à lui et aux autres producteurs du village qu'ils pourront pratiquer la culture de contre-saison. On a qui avait besoin d'utiliser le barrage pour approvisionner Puitenga et Kupela en eau potable a investi les lieux. Avec la nouvelle donne, nous avons perdu toute notre production la première année. Face à la situation, le haut commissaire nous a suggéré d'exploiter de façon alternée les quatre blocs de la superficie. Finalement, on nous dit de ne plus exploiter, alors que nous n'avons pas été indemnisés au moment de la construction du barrage. Cette frustration des producteurs, les responsables locaux le comprennent bien. Mais il a bien fallu faire un choix, puisque la capacité du barrage ne permet plus de supporter les deux activités à la fois. Depuis 1985, le barrage a perdu 30% de ses capacités suite à l'ensablement de son lit. Si on les laisse faire, durant les périodes chaudes, mars, avril et mai, l'eau ne va pas suffire pour l'approvisionnement en eau de la ville de Kupela et de Puitenga. On a demandé aux producteurs de ne pas produit au cours de cette campagne sèche. En pareille circonstance, les textes accordent une priorité absolue à l'eau de boisson. Encore faut-il le faire comprendre aux producteurs qui ont perdu leurs vergers et leurs terres dans l'aménagement des barrages. Sous l'égide du haut commissaire de la province du Kuritenga, l'ONEA et les producteurs ont trouvé un terrain d'entente, dédommager les producteurs qui ne pourront pas exploiter leurs parcelles. Une solution temporaire qui est loin de résoudre définitivement les problèmes. Les conflits persistent et les producteurs ne semblent pas digérer la situation. Nous travaillons sur ce périmètre pour subvenir à nos besoins, payer la scolarité de nos enfants notamment. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Cette année, certains ont été obligés de s'endetter pour la scolarité des enfants. C'est assez difficile. Il faut que les autorités nous aident à réhabiliter le barrage, parce qu'à un moment donné, on va se trouver face à une situation intenable et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Néanmoins, il y a une lueur d'espoir, car il a prévu la construction d'un autre barrage dans la zone. En attendant, chacun estime être dans son droit et réclame de pouvoir utiliser le barrage de Yitenga, dont la capacité se réduit d'ailleurs chaque année comme une peau de chagrin. La Fédération Femmes et Développement du Burkina accompagne les femmes dans la promotion de leurs activités. La deuxième édition des 72 heures de la Fédération met au cœur de ses activités la promotion des produits des arts vestimentaires, de l'art culinaire et des produits forestiers non ligneux dans l'espace UMOA. Conférences et expositions ventes constituent essentiellement le programme de la manifestation qui a débuté depuis hier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Des précisions avec Konsoun Koulibaly et Kadi Sanogo. C'est parti depuis ce jeudi matin pour la deuxième édition des 72 heures de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. Une rencontre placée sous le thème « Contribution de la femme à la promotion des produits des arts vestimentaires traditionnels, de l'art culinaire et des produits forestiers non liés dans l'espace Yomoa ». Ces journées sont à la fois un événement culturel et commercial tendant à valoriser le pain tissé,
les mets locaux et des produits forestiers non liés des pays membres de l'UMOA. Ce n'est pas seulement s'asseoir dans les bureaux parler qui peuvent résoudre les problèmes de la femme. Il faut aller sur le terrain, il faut travailler avec elle, il faut voir leurs difficultés et transmettre cela aux plus hautes autorités parce que chacun a sa partition à jouer. La partition des femmes, la partition du gouvernement, la partition de nos partenaires au développement, pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer les choses. Cette initiative de la Fédération Femmes et Développement a été bien appréciée par le ministre en charge de la Culture. C'est une très belle initiative au regard de la thématique qui est évoquée. Comment permettre à nos femmes de développer leur activité en art vestimentaire, en art culinaire. Je pense que une telle réflexion nous permettra, ensemble, au-delà de nos positions respectives, de nous engager résolument dans le soutien de toutes ces femmes qui se battent nuit et jour. L'une des finalités de ces journées demeure l'incitation des populations à consommer local, toute chose qui encourage les producteurs et les productrices et contribue à l'émergence économique des pays participants. Et les leaders religieux, chrétiens et musulmans de l'Afrique francophone qui parlent des conflits, prévention des conflits et promotion de la paix en Afrique de l'Ouest dans la capitale burkinabé. Une rencontre organisée par le programme de relations islamo-chrétiennes en Afrique. Paul David Bambara et Kadi Sanogo pour les précisions. Ils sont chrétiens ou musulmans venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Togo, du Niger, du Kenya et du Burkina Faso pour prendre part à la consultation des leaders religieux de l'Afrique de l'Ouest francophone. Une rencontre placée sous le thème « La prévention des conflits et la promotion de la paix en Afrique de l'Ouest ». L'objectif visé est de voir un continent où les communautés chrétiennes et musulmanes, en dépit de leurs différences, travaillent ensemble pour la justice, la paix et la réconciliation pour le développement holistique de la famille humaine et de l'environnement. C'est notre culture d'avoir dans une même famille toutes les confessions religieuses. Et le père, la mère peut être animiste, la mère protestante, et puis le fils catholique. Et je suis très content parce que cela aussi montre que la plus grave hérésie dans le monde, c'est vouloir séparer la nature, je veux dire même les attributs de Dieu. Cette rencontre-là vient à point nommé au regard de ce qui se passe dans le monde. Vous voyez qu'à cause des religions, il y a des gens qui sèment la mort, la désolation chaque jour que Dieu fait. Et de telles rencontres participent au vaste travail qui est fait dans le monde par des hommes épris de paix et de justice. Toutes les parties prenantes et acteurs publics dans les différents pays doivent s'efforcer de travailler ensemble pour veiller à ce que la paix règne en tout temps et en tout lieu. Les enseignants chercheurs des universités de l'espace CAMES en quête de plus de qualité dans la production scientifique sont réunis à Ouagadougou. Objectif, élaborer un code d'éthique et de déontologie en servira de référentiel dans le renforcement du label qualité de la recherche dans les universités. Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. Des enseignants chercheurs de l'Université du Burkina Faso et leurs collègues des pays de la sous-région et d'Europe mutualisent leurs efforts pour mettre en place des règles de bonne conduite dans les universités. Au centre des réflexions, les principes de l'éthique et de la déontologie en matière de recherche. Nous avons proposé de tenir cette rencontre scientifique de haut niveau pour améliorer davantage la qualité de la recherche et éviter aussi les plagiats, éviter que les gens ne respectent pas les conditions de publication. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons qu'à travers cette rencontre, nous puissions mettre en place des comités d'éthique qui vont travailler afin de combler ce vide normatif en produisant un code d'éthique. Au cours de cette conférence, les anciens chercheurs vont axer leurs échanges sur la question des droits d'auteur, les questions liées au processus d'évaluation du texte scientifique, au conflit d'intérêts et à l'intégrité dans la conduite des recherches. Toute chose qui va élucider ces épineux problèmes et proposer des pistes de conduite autorisées. Notre premier devoir est de combler ce vide par la production d'un code, évidemment qu'il faudra diffuser de façon à ce que, très naturellement, le maximum d'enseignants-chercheurs
mettre cela en œuvre. L'élaboration du code d'éthique et de déontologie viendra renforcer le label de la qualité de la recherche au sein des universités. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, dans les locaux de Radio Burkina, le docteur Tulinabo Mwishengi, qui dit écouter les programmes de la radiodiffusion nationale, mais ignore tout de son univers. C'est donc l'occasion pour lui de découvrir l'organe et d'échanger avec les journalistes. Daouda Ouattara, Tanga Robert Kafando. En une heure d'horloge, l'ambassadeur des États-Unis a découvert tout l'univers de Radio Burkina. De la radio arc-en-ciel au studio de production en passant par la cellule sport, la salle de rédaction, la cellule langue, la salle des archives et la maintenance, Tulinabo Mwishengi a touché du doigt les réalités de la radio mère. Je suis impressionné de voir le dynamisme, l'engouement et de voir sur le visage du personnel ici. C'est comme on a l'impression que ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Si vous considérez les résultats, et c'est les moyens qu'ils utilisent pour atteindre ce résultat, c'est vraiment épatant. Le résultat, c'est extraordinaire. Une visite à pas de course, mais qui fait honneur à l'équipe de la radio. Vous avez vu l'enthousiasme dans lequel on a reçu des questions sans tabou qu'on a pu le poser. Et je crois savoir que ça sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de Radio Burkina. On a fait un pas en un an. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Les gens commencent à nous écouter, à nous faire confiance. Et nous avons l'obligation de garder d'abord ce niveau, mais ensuite aussi de pousser davantage. Des échanges à bâton rompu avec le personnel, un entretien en direct et la remise d'un présent aux diplomates ont précédé à la signature du livre d'or de la radio. Page entretien de notre journal Les Koundés, c'est ce soir à partir de 20h à la salle des banquets de Ouaga 2000 et l'invité attendu de tous les Burkinabés, c'est lui, Kofi Olomide, artiste musicien. Il est là sur notre plateau et nous allons parler de cet événement avec lui. Bonjour Kofi Olomide. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de la télévision du Burkina. Merci beaucoup. Alors, Kofi Olomide, grand retour au Burkina Faso après un long temps de silence. Oui, je suis vraiment heureux de ce que JAPRES m'ait donné l'occasion, enfin, de me retrouver au Burkina, cette terre africaine que nous aimons beaucoup. J'ai été ici la dernière fois, je crois, il y a 14-15 ans, peut-être moins, mais vraiment, c'est un bonheur, même si le moment est un peu mal tombé avec le décès de notre grand frère, Papa Wemba. Et justement, l'actualité dans le monde musical africain cette semaine, donc, c'est donc le grand Papa Wemba qui a rejoint les étoiles. Vous proposez un hommage, un deuil africain en tout cas pour Papa Wemba. Comment est-ce que cette idée peut se traduire concrètement, Kofi Olomide? Papa Wemba, c'est le plus grand de nous tous. C'est notre grand frère. Son nom l'indique, Papa Wemba. Et il n'y a pas une maison, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui n'a pas un jour été heureux de sa musique. C'est ainsi que moi j'ai observé, plutôt que de toujours réserver tous les honneurs aux seuls politiciens qui prennent en otage nos vies, qui font de nos vies ce qu'ils veulent, Papa Wemba qui ne nous a fait que du bien, je pense que pour une fois on pourrait réfléchir, l'Union africaine pourrait cesser d'être une union des façades et les chefs d'État pourraient ordonner dans chaque pays, le même jour, au même moment. Un deuil comme ça, un moment de recueillement pour rendre hommage à ce grand artiste africain. Son nom est dans toutes nos mémoires. Donc, moi, je m'associe au peuple burkinabé pour l'hommage ce soir au Koundé. Je pense que les organisateurs n'oublieront pas de lui destiner une pensée. Et moi-même, demain, lors du grand spectacle au Palais des Sports de Ouagadougou, je vais demander à tous les frères, à tous les amis, un moment de recueillement, une pensée pour Papa Wemba. À un moment donné, Kofi Olomide, on a cru comprendre que les choses n'allaient pas très fort entre vous deux, Papa Wemba et vous, aujourd'hui. Comment vous vous sentez après son départ? Mais vous pensez que vous, même si on n'a pas été témoin, vous n'avez pas eu des problèmes avec votre mari, madame? La vie est faite de ça. C'est ça, l'agrément de la vie. Il y a des moments comme ça, des humeurs, mais bon. Tout ça est derrière nous, l'essentiel, et que on n'oublie pas qu'on est unis, qu'il y a des choses solides. Papa Wemba, c'est un grand frère. Ma mère l'appelait son fils, et il appelait ma mère, ma mamie, sa maman.
Je disais tout à l'heure, même vous, vous êtes arrivé de donner une fessée à votre propre enfant, mais il n'a pas cessé d'être dans votre affection, dans votre cœur. C'est comme ça. Maintenant, le respect total et surtout hommage et respect total à ceux qui sont morts. Que Dieu lui accorde la meilleure place possible à ses côtés. Alors, hommage à Papa Wemba au cours de cette 16e édition des Koundé ce soir et demain. Alors, pour parler de cet événement qui vous a fait venir ici à Ouaga, les Koundé, comment vous appréciez ces récompenses-là, Koffi Olomide ? Vous avez déjà été ici ? Oui, mais bon, moi, les récompenses, je n'avais jamais gagné de Koundé. Je n'avais jamais été associé à ça. Je remercie les organisateurs qui ont pensé à moi. Mais c'est surtout pour le grand spectacle, parce que moi je veux danser, je veux chanter pour mes frères de Burkina, ça fait trop longtemps, ils m'ont beaucoup manqué. Et vous savez madame, c'est pas facile de vivre sans le Burkina, sans la Côte d'Ivoire, sans le Nigeria, sans le Gabon, c'est difficile. L'Afrique doit finir par être la maison de nous, ses enfants. On devrait plus avoir des frontières, on devrait devenir comme les États-Unis, comme l'Europe avec le système Schengen. Même en Asie, ils ont une organisation là-bas, les Japonais, les Coréens, etc. Il y a que nous, Africains, on doit toujours prendre des visas, autant que les Russes, les Danois, un Congolais que je suis, pour venir au Burkina, il me faut un visa. Voilà, donc il faut qu'on bannisse ça, il faut qu'il y ait des routes entre nos pays, des ponts pour que nous nous sentions vraiment chez nous. Et vous, en tant qu'artiste et ambassadeur, en tant qu'artiste, vous êtes des ambassadeurs interplanétaires. C'est vous qui pouvez amener les politiques à briser ces frontières-là. Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Avec tout le respect, j'espère que ceux qui ont la responsabilité de ce cher pays, le Burkina, sont en train de m'entendre. Peut-être qu'ils vont considérer au moins une des phrases que je prononce ici. Moi, je milite pour que l'Afrique devienne vraiment, vraiment la maison de nous, ses enfants. Il n'y a pas de raison que nous soyons les derniers de la classe. Regardez les États-Unis, ils sont si forts parce qu'ils sont 52 États à être un même pays. L'Europe aussi. Là, la Grande-Bretagne qui est en train de vouloir un peu partir. Regardez comment ils sont tous en émoi. Ils sont tous alertés. Nous, en Afrique, il n'y a rien. Vous savez, le CFA qu'on utilise au Burkina, en Côte d'Ivoire, quand vous allez à Brazzaville, on vous demande de le convertir avant de le consommer. C'est une honte. C'est une honte. Déjà, on est tributaire de la France parce que le CFA est relié à la Banque de France. Mais le même CFA qui vaut la même chose, rien que à cause de la couleur, nous les Africains, nous refusons à Brazzaville, au Gabon, celui qui vient de la Côte d'Ivoire, du Burkina, on le refuse à Brazzaville et vice-versa. Si ce n'est pas la bêtise, dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce que Koffi Olomide, artiste, musicien, le grand Mopao, réserve aux mélomanes de Ouagadougou ce soir et demain? Moi, je n'ai pas l'habitude de faire de la propagande, je n'aime pas vendre du vent. Les gens me connaissent, c'est-à-dire à partir de lois, ultimatum, efrakata, jusqu'à selfie, zone en photo. Donc ce sera du bonheur, mais alors le bonheur total. Et je pense que Dja avait choisi très bien sa date. Il avait bien choisi le moment, bien malgré que notre frère, notre grand frère, est parti subitement. Et demain, ceux qui feront le déplacement, je mets ma main à couper, ils rentreront chez eux ravis, ravis, ravis. Merci beaucoup. Et j'espère que madame, vous viendrez avec votre mari et vos deux enfants. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas vus danser. J'aimerais que demain, personne ne soit timide ni intimidé. Il y aura aussi Cindy Lecoeur, la grande chanteuse africaine du moment. Et nous allons vraiment faire la fête totale. Le répertoire que nous avons prévu, le show que nous avons prévu est conséquent. Merci beaucoup, Koffi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et laissez-moi vous dire devant votre mari, vous êtes magnifiquement belle. Oh voilà. C'est une grâce. Merci beaucoup. Alors, vous restez avec nous, Koffi, pour finir ce journal. Nous allons feuilleter ensemble les journaux du jour qui nous parlent aujourd'hui de l'annulation des mandats d'arrêt dans les affaires Thomas Sankara et du coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté les quotidiens pour nous. Affaire Thomas Sankara et du coup d'État avorté de septembre 2015 affiche Sidoya dans sa manche du jour. La Cour de cassation annule les mandats d'arrêt au motif de vice de forme. Les formalités n'ont pas été respectées dans l'émission des mandats, rapporte le quotidien d'État. Ce verdict surprend tout de même le tribunal militaire qui affirme, je cite, ne pas être au courant de cette décision de la Cour de cassation. Le mandat d'arrêt contre Diome Soro, rappelle l'Observateur, avait mis à mal les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso
depuis la chute de Blaise Compaoré de son perchoir. Pour sa part, le quotidien Le Soir estime que l'annulation du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro augure, je cite, « le réchauffement des relations et le retour de la confiance au sommet entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ». Ces mandats d'arrêt n'ont pas été levés mais annulés, précise le pays de son côté. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.